installé. Il faudra seulement tournevis cruciforme, clé Allen de 4, clé Allen de 1,5, une pince, du frein filet léger et de l'huile. So you will need a screwdriver, 4 mm wrench, 1.5 mm wrench, this, and some thread locking adhesive and some oil. So let's start. So you first need to disassemble a barrel from the body, from the two screws here and here. Nous allons d'abord retirer le canon du corps en dévissant les deux vis qui se trouvent ici. Bien, il suffit de tirer le canon vers l'avant. Ensuite, nous allons retirer cette pièce en utilisant la clé de 1,5. We'll remove this part using the 1.5 wrench. And remove this screw. En retirant cette petite vis. Ensuite, délicatement retirer la pièce. We can remove the part slowly. Okay. So we're gonna first work on this part. Donc, tout d'abord, utiliser cette vis. We're gonna first use this screw. Nous allons l'utiliser dans le trou qui se trouve ici. Alors, le trou n'est pas taraudé, nous allons tarauder avec la vis. We're gonna tap the hole with this screw. Donc pour commencer, essayez de bien visser droit. Au bout d'un moment, ça devient plus dur. Quand ça devient trop dur, il faut mettre un peu d'huile. When it's too hard, you just come back from one or two turns and then get forward. Quand c'est trop dur, vous reculez dans le tour. Et vous recommencez. Faut bien appuyer sur la vis. Et on est jusqu'au fond. Et ensuite, on retient la vis. And then remove the screw. Nous avons maintenant taraudé le trou. Vous pouvez maintenant prendre la clé Allen fournie avec le kit, la petite vis, et l'installer dans le trou. Ça force un peu, c'est normal. On va garder quelque chose comme 1 mm à l'extérieur. Something like 1 mm not in the hole.
Si. Okay, then we'll install this on the barrel. Nous allons installer ceci sur le canon. Nous allons retirer le canon, ressortir le canon. Ok, donc nous allons installer cette petite pièce ici. Tout d'abord, on va retirer le caoutchouc qui se trouve là, cet élastique. Ok, voilà. Et on garde bien la petite pièce. Ok, donc nous allons installer cette pièce à la place, comme ceci. Okay. En installant la petite goupille qui est là dans le trou. T'as vu? So we have installed a little arm here. Using a pin here, okay, and from the other side it looks like that. Oh, that's not enough. Okay, if it's too hard to put the pin, c'est trop difficile à enfoncer la goupille, vous pouvez utiliser une pince comme ceci. Ok, assurez-vous que le système bouge librement et qu'il appuie bien sur la pièce en caoutchouc. Just be sure that it can move freely and this push the bucking part. Ok. On réinstalle l'ensemble dans le canon. Voilà. Ensuite, nous allons réinstaller tout l'ensemble avec cette pièce. Donc. Installer d'abord les barres comme ceci. Elles doivent dépasser de l'autre côté. Ok. Ok. Pour entrer, il faut pousser sur le bras. To install, you have to push on the arm. A wrench or something like that. Ok. Easy. Ensuite, guider les barres à travers le logement. Vérifier que tout soit à sa place. Vérifier que les barres peuvent bouger librement. Check if this can move freely. Then, place the little screw. You can use the thread locking adhesive. Vous pouvez utiliser le frein filet ici. Un petit peu sur la vis. Bien. Ok. You can check by looking in the barrel if the hop-up is okay. Et vous pouvez vérifier l'état du hop-up en regardant à travers le canon. Bien, on réinstalle l'ensemble. Ok. On va ensuite réinstaller les deux vis. Toujours avec un petit peu de frein filet. Bien.
À la fin, il doit vous rester le caoutchouc, qui est inutile, et la vis de taraudage, qui sont inutiles. Pour régler le hop-up, ça se fait par la fenêtre d'éjection, qui est ici. Vous avez accès à la petite vis qui se trouve là, derrière la barre. D'accord? Donc, vous insérez la clé fournie avec dans la vis. Comme ceci. Et dans ce sens, vous augmentez l'effet hop-up. By turning the screw this way, you will have some hop-up effect.